le lien père-fils a été rompu. Après son interview explosive avec Oprah Winfrey, en mars 2021, et le documentaire Harry et Meghan, sorti sur Netflix en décembre 2022, le prince Harry avait enfoncé le clou en dévoilant un livre qui avait fait grand bruit. Dans ses mémoires, intitulées The Spare et publiées en janvier 2023, le duc de Sussex avait en effet provoqué la colère de ses proches. Et pour cause, dans son ouvrage, il avait révélé de nombreux secrets de famille. À en croire les informations du Mirror, ce dimanche 5 novembre, le roi Charles III n'aurait d'ailleurs toujours pas pardonné à son fils cadet. Malgré tout, le souverain de 74 ans lui aurait tendu la main à plusieurs reprises, sans succès. Résultat ? Charles III et le prince Harry ne se seraient plus adressé la parole depuis l'anniversaire de la mort de la reine Elisabeth II, en septembre dernier. Selon nos confrères britanniques, les époux de Camilla Parker Bowles et de Meghan Markle attendraient patiemment que l'autre fasse le premier pas. Mais malheureusement, la réconciliation ne semble pas être à l'ordre du jour. Il n'y a encore aucun signe de rapprochement. Si est-il trop tôt. Mais le temps est un grand guérisseur, a ainsi affirmé une source dans les colonnes du Daily Express. Supérieur à supérieur à l'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en images Prince Harry, ce camouflet infligé à Charles III pour son anniversaire le 14 novembre prochain, Charles III doit célébrer, en privé, ses 75 ans, dans sa résidence de Clarence House située en plein cœur de Londres. Sauf retournement de situation, le prince Harry ne devrait pas faire le déplacement pour y assister. Comme l'a révélé le Sunday Times, le 5 novembre dernier, le duc de Sussex a bien été invité aux festivités, mais il a refusé de s'y rendre. Une nouvelle d'autant plus difficile pour Charles III que le prince Harry ne devrait pas non plus faire le déplacement pour les fêtes de Noël. Un crève-cœur pour le compagnon de Camilla qui sera à nouveau privé de ses petits-enfants, Archie et Lilibet. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK. I just need